Hey, 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 kiki mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue où on retrouve notre cher Iowa couvert de crasse. Regardez-moi ça, il est dégueulasse, il pue. Eh ben ouais, ben mon coco, faut aller prendre ta douche, hein. Tu sais où elle se trouve? Elle est toujours au même endroit. Oh bah et on s'y sait pas se faire lui-même, s'adapter lui-même. La maison a changé, je vais vous montrer rapidement les nouveautés comme des trésors qui se baladent, qui habillent la maison. Quelques petits trésors qu'il a trouvés. Donc ça c'est tous les objets qu'on a eu en unique, hein. Tous les douches, je les ai vendus. Et on a bien deux assiettes et les... Mais t'es bête ou quoi? Mais oui, bah dis donc. Bah alors. Et les trois grenouilles qu'on avait déjà vues la semaine dernière sont ici. Voilà la petite maison. Bon, je l'ai agrandie, hein, mais vraiment pas de grand-chose. Juste histoire de poser les trésors ici. Et c'est bien, ça, c'est sympathique. Bon, le reste de la maison, on n'a pas beaucoup changé. Et je vais rajouter quand même une deuxième table. Comme ça, il pourra vraiment alterner, aller plus vite. Je pourrais lui faire enchaîner, en fait. Voilà pour les nouveautés. Mais va te doucher. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Du courrier. On va prendre le courrier parce que bah on est mardi donc c'est pas des factures, on les avait déjà payées. Donc ça doit être des trucs à authentifier pour gagner du popo, du gnognon, du pognon. Ouh, donc on a eu des nouvelles choses comme eh bien des éléments. Ok, on a reçu donc un vase à authentifier. Il y a quand même beaucoup encore de bordel dans son inventaire, hein, mais je ferai le ménage, je ferai le ménage. Concernant son aspiration, voilà, il fallait trouver des trésors omniscans. On m'a dit qu'il fallait les remettre. Donc je vais les remettre dans l'inventaire. Peut-être que ça va réactiver l'étape, parce que bon, on les a trouvés, quoi. Donc normalement, ça devrait le faire. Bah non, ça fait rien du tout, à moins que j'appuie sur play. Les trésors omniscans. Eh ben, en fait, ça n'a pas marché du tout. Tu vas authentifier un objet, voilà, et tu vas découvrir un objet ancien. Voilà, mon petit. Maintenant, tu vas faire ça et moi, je remets mes petits trésors dans les vitrines. Effectivement, ça vient de changer. Trésor omnisquin, c'est vraiment les mettant là, du coup. Bon, bah, ça sera facile. Ok! Après, donc, c'est un authentique. C'est super. Tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire. Et par contre, il commence à être un peu désespéré du social. Il faudra qu'on appelle quand même quelqu'un qui vienne à la maison manger ou autre chose, quoi. Ah, alors, c'est un truc authentique aussi. C'est super. Oui, je sais. Je sais! On va appeler. Fais ce que je t'ai demandé. Et puis après, on va appeler quelqu'un. Qu'est-ce qu'il sait qu'on pourrait appeler? Elle est mignonne, hein. Elle est jeune adulte. Ah ouais, tu peux que lui envoyer un SMS. Bah discute alors. Bah, tu l'appelleras, tu discuteras. Phalangine étant devenue vieille, on va pas l'inviter. Il y a elle. Non. Bah avec qui on avait eu ça s'était bien passé, qu'il y avait eu des quelques petits attouchements sympathiques. Bah il y avait que Phalangine. Ah ça craint. Bah tiens, regarde qui est là, c'est Candela. Tu vas aller pêcher avec elle, tiens. Ça fera peut-être remonter en plus ton divertissement, ton social et ta pêche. Parce que c'est pas demandé dans le challenge, mais j'ai remarqué que ben, dans la jungle, on avait peut-être besoin de pêche aussi. Voilà qu'il est mignon avec sa copine. Vous pouvez discuter aussi, hein. Mais regardez, c'est merveilleux, il discute même pas que ça lui remonte son social. Oh, c'est superbe. Ouais, regarde celle-ci là. Je suis sûre qu'elle vient sonner chez nous. Sophie Field. Bon, elle est adulte. Mais elle est plutôt bien roulée. Allez. Allez, elle se jette dans la gueule du loup. Oh la coquine. Hey, salut! Comment allez-vous, mademoiselle, madame, ou je ne sais pas quoi? Allez, première présentation, ça passe. Tu vas surtout faire connaissance avant de... Voilà, tu vas travailler un peu ta logique, pourquoi pas. Wesh, la meuf, elle vient chez moi sonner pour discuter, puis on est en train de lui parler, elle se barre, quoi, tranquille. Oh bah oui, non, en fait, je dois sortir le chien, j'avais oublié, quoi. Non mais, meuf. Et en plus, elle est célibataire, la cocotte. Voilà, elle était bien sympa, parce que ça nous a bien remonté le social. Il va être tout content, regardez-moi ça. Il est tout heureux, le petit choupi. On peut même déjà lui donner les clés de la résidence. Oh, on la connaît à peine quand même, hein. Faut pas déconner, hein. Bon, la Sophie s'est barrée, tu vas pouvoir rentrer à la maison et faire un peu ta life, mon petit. Tout en regardant la météo locale. Oh, la vampire!
Comment tu vas, la petite vampirette de mon cœur? Putain, mais ce tapis, je n'en puis plus. Vas-y, arrête de regarder. Mais il y a la vampire qui vient de dire bonjour à Yowa. Regarde, elle vient la nuit, bizarrement. Elle avait quand même bien voulu se faire faire des mamours, mais quand, simplement quand on était assis, pas debout. Oh, ce tapis! Ok. Ok, je crois que elle est chaude. Elle est chaude, elle est chaude. Il lui a fait un petit coup de gringue et direct, elle a dit oui, quoi. Oh oui, oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui se passe à Iowa, dis donc? Tu cartonnes, ça y est, depuis que t'es dépucelé. C'est la folie, quoi. Bon, ça se chatouille, ça se chatouille. Mais on peut toujours pas lui rouler une péloche! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé! Regardez-moi ça. Et oh! Ah, Yowa, mon petit, tu cartonnes. Parce qu'en plus, là, elle se barrait, donc... Allez, un petit crac-crac avec Erika. On va voir si une vampire, ça pompe du sang, même au lit. Bien sûr, je plaisante. Et hop là, séducteur jusqu'au bout, notre Yowa. Oh là, oh là. Bon, bah, elle, du coup, elle est contente, elle a tiré son coup, elle va pouvoir partir. Et petit matin, Iowa va s'occuper de lui, il va aussi manger. Puis bah, rebelote, on va réattaquer les petites routines, hein. Alors, on va ré tout récolter parce qu'il y a ça. Ah, ça a évolué ça. Trop bien, je savais même pas que ça pouvait évoluer. Oh, par contre, ça, tu vas me le vendre. Voilà. On va récupérer quelques petits cristaux, du moins, je l'espère. Tu vas t'entraîner à la course. C'est comme ça, tu pourras te plaindre tout le reste de la journée d'avoir mal aux muscles. Et puis, ben, on pourra continuer à authentifier des objets anciens et à découvrir des objets anciens. Oh, ben ça, je l'avais dit, hein. Il est éreinté, le pauvre chou. Et on va déjà recevoir d'autres objets? La vache. Ah, c'est un objet authentique. Super, tu pourras le mettre dans l'inventaire. Ah, ce sera un crâne. Ah non, c'est un faux celui-ci. Bon, tu mettrais quand même dans l'inventaire. J'allais peut-être lui refaire retravailler encore des trésors à découvrir, mais je pense qu'il va jouer aux échecs, il va améliorer sa petite logique là. Puisqu'on doit quand même atteindre le niveau 10. Alors, archéologie et culture salvadorienne, c'était le plus simple. Alors que bah, le fitness, jardinage et la logique. Ouais, la logique, j'ai quand même un peu plus de retard comme le fitness. Donc ce sera logique ce soir. Puis il m'a cassé les toilettes. Et bah tu le répareras! Allez, on va lui faire atteindre le niveau 5 de logique, on n'est plus très loin. Oh, buddy, c'est qu'alors un morceau, hein, coquine. Tu vas pouvoir l'inviter à entrer, mais avant, tu finis. Oh, ce tapis, tu finis ce qu'il faut finir. Hein. Allez, quelques petits pourcents. Yes, compétence 5. Vas-y, tu peux lui dire bonjour avant qu'elle se barre. Là, attention, fais attention. Elle s'en va. Oh là là, c'est la mûre, ou peut-être pas. Ah oui, tu dois. Ah, mais attends, tu vas faire crac-crac avec Erika dans la douche. En plus, tu dois te laver. Excuse-moi, Erika, la maison est un peu tiny tiny, mais la douche est bien chaude. Ah oui! Bon, ça lui remonte pas forcément très bien l'hygiène, mais ça lui remonte quand même un peu. Ah, le sexe, c'est sale, hein. Et elle repart comme elle est venue. Ah, la coquine. Allez, on se réveille de bonne humeur, mon petit Iowa. Pourquoi tu perds du temps à me dire que tu pues alors que tu sais que je t'ai déjà programmé une douche? Hein? Tu te fous un peu de moi, je crois. Hop, hop, hop! Tu vas pas manger tout de suite. Tu vas aller courir. Et laisse cette assiette. Laisse cette assiette. Ok, bah non, d'accord, ok. Je crois que je pense qu'il devait il voulait pouvoir parader dans le quartier en disant ça c'est mon petit déj, ça c'est mon petit déj, c'est le mien, ce sera pas le tien. Après une double douche tonifiante, on est reparti pour faire un peu de footing. Sans les pancakes, cette fois-ci ils sont dans son bidou. Un petit tour au jardin pour s'occuper des plantes et compagnie. Mais il repue? Non mais c'est incroyable. Hein. Il va passer son temps sous la douche, lui. Hein. Pff, il m'a cassé la douche cette fois-ci. Allez, là, on va enfin travailler dans le vif du sujet. Là, tu me découvres des trésors. Là, vas-y, allez, allez, Iowa, allez, Iowa. Et pendant que j'y suis, il faudra quand même activer la relique mystique. Donc, il faudrait qu'on maudisse quelques petites personnes sur l'île, hein, qu'on lui fera avoir des mauvais rêves de bouffe selvadoranienne. Comme ça, on pourra avancer. Oh, c'est cool. C'est
une chose bien authentique encore. On passe à un masque maintenant. Ah, cool. Et ça aussi, c'est un original. Parfait. Eh ben, je t'aurais fait bien courir sur l'île, là, récupérer et tout et n'importe quoi. C'est dommage qu'en même temps, ça lui fasse pas du tout monter son fitness. Oh, mais la fuite d'eau, là. Elle est en train de... Elle va gondoler le parc. Et franchement, Iowa, ça ne va pas du tout. Bon, après, tu te feras un petit dîner tranquille. Poisson frit. C'est vrai qu'on avait du thon. On avait pêché du thon. Sinon, voyons voir ce que tu as dans ton inventaire. C'est toujours autant le bordel. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses, mon petit. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en double? Ça, par contre, ça revient. Tu envoies en conseil de géologie puisque c'est un métal, donc je peux m'en débarrasser. C'est la quoi? Relique du chaos, du Totekama. Parce que là, c'est aussi une relique du chaos. Donc il faudrait que je la fusionne avec Zazatototl. Voilà, vas-y. Tu vas me le faire ça et il faudra qu'on raffine des cristaux. Hein. Alors ça, tu vas l'envoyer au géologie également. Ça, on en a deux. Tu en envoies un autre. Bon, allez, va te coucher, va. J'ai compris. Dors bien, mon petit. Sois fatigué, on verra la suite demain. Je crois qu'on a encore reçu du courrier à renvoyer, là, le truc. Ça va être n'importe quoi. Tu vas me récolter les baies festives, tu vas me récolter les avocats. Et comme ça, on s'occupe un peu du jardin. Au niveau jardinage, on est au niveau 5, on arrive 6, c'est bien, tranquille, Emile. Hein. Non, madame, non, Iowa, non, tu vas pas lui parler. Oh, c'est une vieille, quand même. Ne lui parle pas, on s'en fiche. Oh, tu es énergisé, toi, tu es énergisé. Allez, hop, jogging, direct. Et quand tu reviens, on découvre, on authentifie et on va authentifier encore parce que on a tellement de taf. Bon, après, on a 2 semaines pour faire tout ça, mais quand même. Oups. C'est un peu la grosse flotte, là. J'espère qu'elle va pas se faire griller les fesses. Allez, mon chou, tu t'es pas fait griller, c'est pas... Tant mieux. Non, mais regardez, il est tout effrayé, mais n'importe quoi. C'est un orage, hein. C'est pas non plus des coulées de lave qui te tombent sur le coin de la tronche, hein. Bon, j'avoue que je serais pas contre que l'orage me dépose des cristaux et tout sur le terrain. Ça nous ferait gagner du temps, peut-être, pour les collections. Donc, quand tu veux, petit orage. Oh, c'est un joli masque en or que nous avons découvert. Oh, ce tapis, même de l'extérieur, me casse les pieds. Ah, et ce sera encore un authentique. Super! T'as bien taffé. Allez, pause pipi. Et est-ce qu'on va raffiner un cristal? Ouh là là, ouais. Oh, écoute, on a 2 arcs-en-ciel. Et ben, ça, on en profite, on va en raffiner un pour le mettre dans la relique qu'on a faite la veille. Allez, go, raffiner. Un petit cristal. En ce temps-là, moi, j'extrais tous les fossiles qu'il a. Puisqu'il faut aussi la collection. Une trace de sabot. Un fossile cassé. Une moustache parfaitement préservée. Une griffe de rapace. Une trace de sabot encore. Une tête de pré-pré Sims. Et c'est pas mal, tout ça. Ah, super. Tu peux mettre dans l'inventaire. Et, alors, elle est où ta relique, là, mon coco? Ah, elle est ici. Elle est non découverte. Tu vas donc insérer un cristal d'arc-en-ciel raffiné. Voilà, mon chou. Gros cristal, hein. La vache. Et tu vas pouvoir l'activer sur quelqu'un. On va toujours tester. Allez, Paula Bolivar. La pauvre. Qu'est-ce qui va lui arriver comme malheur? Ah, elle a des pops comme par hasard. C'est bien ma veine. Alors, tu vas l'activer sur... Eh ben, Aiden d'Emilia, je sais pas quoi. Nora. Oh là là! Attention! Le pauvre, je sais pas où il est, mais tu lui as lancé un sort. Maudit! Aïe, infliger la malédiction des besoins exigeants à Aiden d'Emilia. Ce dernier devra s'occuper plus souvent de ses besoins désormais. Ouh, tu es un coquin, toi. Regardez ce petit sourire malicieux. Il savait ce qu'il faisait. Pendant ce temps, on va continuer à récupérer... J'ai de l'espère des cristaux, mais bon, je commence à perdre la foi là-dedans, hein. Franchement, hein. Quel beau décor, hein. J'aimerais bien y vivre, moi, à Windenburg. À presque 22h, tu vas... Allez, on va authentifier encore des choses. Tant qu'à faire. On va en authentifier 2 avant de t'envoyer au lit, mon petit. Eh, mais j'avais pas fait attention qu'on avait une relique de la mort de Zazatototl en or. Il suffit juste de lui foutre un cristal.
Oh, je me note ça, on va devoir raffiner ça. Un des... Pff, ce merdier, je m'en sors plus. Sinon, niveau collection des cristaux, on est à 11 sur 21. Voilà, on n'est pas prêt de trouver encore. Les éléments, 8 sur 15. Les fossiles, 9 sur 15. Je me souviens même pas avoir au moins complété une seule fois les fossiles. Les objets emmenés à Niska, on est toujours à 15 sur 16. Il manque toujours un. Peut-être un jour. Et les trésors, on est à 5 sur 13 quand même. Il nous manque encore 5 grenouilles et 3 assiettes. Donc ça, c'est simplement... Il faut toujours aller à Salvadorada. Je pourrais pas les trouver à Windenburg. Oh, mais c'en est une nouvelle, ça! Oh bah si, je l'avais déjà. Oh, zut, hein! Ah, c'en est encore un officiel. Super, tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire aussi. Il a grave besoin de divertissement et de social. Et un petit peu de manger. Oh, je pense que l'hiver arrive pour le pauvre. Va voir si elle est dispo. Quimba. Hey, salut Erika! Je Hey. me disais que peut-être tu Quinn pouvais Park. passer, histoire qu'on se Huh. bidonne un peu ensemble. Oh, elle arrive! Oh, mais c'est parfait ça! T'as trouvé la meuf parfaite! Allez, profite, ouais. Tu vas vite bien t'amuser après. Oh, elle arrive, elle est tristounette. Oh, la biche! Ah, voilà! Qu'est-ce qui lui faut, oh, Quelques la fruits? petite? Hein? Elle veut manger de la Rina! saucisse? Ça, on est au courant hein, qu'elle aime bien ça. Non. Tu vas te détendre, t'inquiète pas. Sociabilise un petit Rio! peu, mon Oh petit. ah, Tu vas Vadish! voir, voilà. Et puis tu vas commencer à la draguer et vous allez pouvoir faire des choses. Steve Ça va Charcel aller came mieux, your way! Iowa, t'inquiète. What a fob! Ouh là là. Clouba, Et sinon, non? tu veux voir quelle couleur sont mes draps aujourd'hui? Ah, bien sûr! Allez! Vous allez vous amuser dans le lit. Que voici, bien entouré des petites grenouilles. C'est sympathique. Allez, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Bon, on avance toujours un peu avec Iowa, hein, toujours un peu plus loin, un peu plus fort. Aucune collection de complète pour l'instant. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne. C'est très important si vous pouvez. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis à regarder les petites bulles sur YouTube. Des gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao!